Bonjour, c'est le retour de la vidéo du samedi midi. Cette semaine, un blues sur mon harmonica bête de course en si bémol. Donc si tu es harmoniciste de blues ou si tu débutes le blues et que tu veux vraiment te mettre à jouer un super morceau, je te propose Peur de rien blues. Donc c'est un morceau de Jean-Jacques Goldman, c'est une balade de Jean-Jacques Goldman. Donc si tu es abonné au clan des bluesmen qui te permet de partir de pas du zéro absolu, parce qu'il faut d'abord savoir jouer des notes sur son instrument avant de commencer le blues. Mais si tu sais déjà jouer les notes naturelles et les notes altérées, eh bien, tu peux commencer à faire de super blues. Donc, dans le clan des bluesmen, tu as quatre modules, un par mois, pour apprendre les rudiments du blues. Et puis après, petit à petit, on gagne les échelons. Et alors là, on est vraiment en train de travailler les altérations aspirées dans le grave, dans le médium. Et c'est vraiment l'occasion de jouer ce blues absolument magnifique de Jean-Jacques Goldman. Donc, je te fais une démonstration et ensuite, je t'explique comment tu peux apprendre à le jouer.
Ok, tu apprécies ce morceau, génial. Alors, comment jouer ce morceau? Eh bien, tu as deux possibilités. Soit tu fais partie effectivement du clan des bluesmen, et donc c'est dans ton cursus. Tous les mois, tu as un cours pour apprendre à jouer un morceau. Donc, les 4 premiers mois, c'est les rudiments du blues. On apprend à improviser sur des grilles de blues, et ensuite, on voit un morceau par mois. Et si tu n'es pas élève du clan des bluesmen et que tu veux simplement apprendre à jouer ce morceau, eh bien, tu trouveras un lien sous la vidéo. Donc en fait, j'utilise une méthode. Tu vas voir, il y a 7 étapes en fait pour apprendre à jouer ce morceau, à savoir déchiffrer le morceau, travailler les phrases difficiles, travailler les effets, travailler des variations mélodiques, travailler l'improvisation. Tout est expliqué en vidéo. Tu as même un cours sur la gamme blues mineur parce qu'on s'en sert beaucoup dans ce morceau. Et tu as même une vidéo d'introduction. Donc en tout, tu as 9 vidéos pour apprendre pas à pas. Donc ce que je fais, c'est que j'apprends le morceau en même temps que toi en direct. Donc je te montre tout ce que je fais et tu n'as plus qu'à simplement m'écouter, comprendre ce que je fais, appuyer sur pause, jouer, refaire la même chose et relancer la vidéo. Donc c'est vraiment facile à faire comme ça. Donc il faut quand même que tu saches bien jouer tes notes naturelles et que tu commences au moins à faire des notes altérées, aspirées. Dans le grave et dans le médium. Et là, tu peux vraiment t'amuser, vraiment t'éclater à jouer ce super blues, cette balade de blues. OK? Donc là, tu as écouté un arrangement à ma façon. Ce n'est pas l'arrangement original, évidemment. Mais comme c'est dans la même tonalité que l'original, bah, une fois que tu auras appris à jouer ce morceau, tu pourras le faire avec Jean-Jacques Goldman, si tu veux. Pas sur scène, il ne fait plus de scène. Mais en écoutant ses disques live ou au studio, bah, tu peux t'amuser à jouer l'harmonica par-dessus. Et moi, j'adore faire ça quand j'écoute un morceau à la radio. Sur TSF Jazz, par exemple, ou vraiment un autre morceau de blues ou sur Internet, de temps en temps, je prends un harmonica, je joue en même temps, et c'est toujours un vrai plaisir. De quoi se régaler. Bon, bah, écoute, je te laisse donc cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et si tu as aimé ce morceau, eh bien, clique sur le pouce en l'air hein, pour montrer que tu aimes ça, et partage la vidéo avec tes amis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo du samedi midi, donc je ne sais pas encore ce qu'on va jouer, dans quel style. Bon, je sais que Noël approche, mais bon, je ne vais pas forcément faire un chant de Noël, j'en sais rien. On verra bien. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, mais de toute façon, je trouverai bien un morceau à jouer. J'ai 6 000 partitions chez moi, donc je trouverai bien un morceau à te jouer et peut-être à t'apprendre, hein, puisque le principe, c'est que chaque semaine, tu apprennes un nouveau morceau à l'harmonica. Voilà. Eh bien, écoute, je te dis bonne semaine, profite bien de ce super blues et on se retrouve samedi prochain. Enfin, on se retrouve demain parce que demain c'est le vlog du dimanche soir. Mais sinon, si tu veux apprendre à jouer un autre morceau qu'un morceau de blues, rendez-vous samedi prochain. Oui, mais samedi midi.